On est en live, va falloir que je coupe ça au montage. C'est faux, je le ferai pas. Donc, eh bien, c'est parti pour le combat, du coup. On va remettre la musique qui fait peur. Et... Tara, tu vois un des triplés qui s'avance vers toi. Oh là, oh là. J'ai perdu la connexion à Foundry jusqu'à on recommence. 17. Ils font si mal que moi. Ouais, il ou elle te touche. Ça saura pas. Your mag. S'il peut avancer quand même. Vous pouvez vous croiser dans le couloir. Non, mais non, il est bloqué parce que il aime Shuna. Vous êtes l'un à côté de l'autre. Le couloir n'est pas très grand, hein, donc. Il avance à côté de Sven et tu sens Shuna qu'il aimerait bien passer. Mais bon, tu le bloques. Sven! Du coup, moi non plus, je peux pas avancer. Disons que tu peux te glisser à côté d'Ileb et tu pourras faire que la moitié de ton déplacement. Ok. Du coup, je peux arriver à peu près par là. Ouais. Et ben, allez. Et je vais maintenant lancer un couteau sur celle qui est tout au fond. Il faudrait lancer des éclairs comme elle. Vas-y, on sait pas. On se demande pourquoi vous acharnez sur cette pauvre femme. Vous la connaissez à peine. Elle a pas été très gentille avec nous pour l'instant. Combien du coup pour la toucher? 15. Facile. J'aurais pas dû parler. Le deuxième de la soirée. 2024 est ton année de chance. C'est quoi que t'as, des couteaux de lancer? Oui. C'était ton dernier couteau de lancer. Ok. Elle lui s'approche de toi. Tu as 20. Et grâce à ton armure incroyable, même pas peur. Je me faufile partout. Tara. Moi, je vais me déplacer. Ok. Tu vas en prendre une, du coup. Ouais. Non, mais il m'a tellement impressionné avec son épée courte que je vais me déplacer. Je m'en prends une. Je te laisse. J'ai pas fini mon déplacement. Je te laisse m'en prendre une. Tu t'en prends pas une. Et je charge. Toujours la même. Toujours la même, mais avec une charge. Je sais plus. Plus 2, je crois. Plus 2, ouais. Triplé que t'as dépassé a l'air un peu vexé. Ouais, les autres, ils ont très bien vu qu'on s'en fout. Ils ont combien de... Elle a combien de difficultés? 15. Et ça touche. Elle n'est pas morte. Ah oui. C'est quand j'aurais touché avec mon couteau, elle serait morte. Peut-être. Cette jeune dame, vous la voyez incantée. Tara, tu veux faire un test d'attaque magique, s'il te plaît. Un test d'attaque magique? T'appuies juste sur magique. Je pense pas que ce soit sa spécialité. C'est plus 4. Ok. Tu vas maintenant me faire un test de sagesse. Tu dois faire 14. Ok. Ça sent les espèces de charme, ça. Non, je vais te dire ce qui se serait passé si tu avais loupé. Tu tombais à 0 PV. C'est pas grave, moi je peux tomber à 0 PV. Oui, plein de mais... fois. Alors comme tu tombais à 0 PV. Et là, par contre, tu perds l'équilibre et tu tombes par terre. Ah. C'est presque plus embêtant pour toi, non? C'est ça. Bah, non, je sais pas. Non, pour se relever, c'est contre un déplacement, c'est ça? Ouais. Ils ont peut-être... des bonus pour me toucher quand je suis au sol. Oui. Lui va se diriger vers Ileb.
Gab, maintenant qu'il y a 18 en classe d'armure. Oh. Intouchable, le type. Shuna. Je pense que c'est pas possible que j'aille jusqu'à elle. À quelle? Avec la fille avec les beaux yeux. Voilà, va falloir slalomer. Je peux pas ne pas te faire d'attaque d'opportunité. Tu vas passer entre deux ennemis là. Ouais. Les deux vont pouvoir te taper. C'est des quiches. Après, bon, j'ai vu que Tara est passée sans souci. Je me dis que... Ouais, mais j'ai pas le même nombre de points de vie, si tu veux. J'ai moins peur, quoi. C'est vrai. J'ai 49 points de vie, quoi. Le problème, c'est que là, si elle finit son incantation, on est mort. On est tous au même endroit. Bah, elle a déjà fini son incantation. Non, elle a dit, elle était en train d'incanter. Bah oui, et je suis tombé par terre. Papa, c'est elle qui m'a fait tomber. C'est pas par magie, si, si. Si, si, c'est par magie. C'est par magie, mais c'est pas par hasard, quoi. C'est pas... Bon, bah, un coup de pied dans sa tronche. Vas-y. C'est combien de difficultés ? 16. Tu mets un gros coup de pied dans sa tronche. C'est le premier que je suis, le premier coup. Il aime. Non, Ileb, il veut pas jouer. J'arrive pas à me déplacer. Aïe. Ah. Pour tenter de lui assommer un coup de... masse d'armes. Vas-y. Ça va pas un fléau, c'est une masse d'armes. Ça aurait été drôle, Ileb, avec un fléau. Quelle difficulté pour toucher ce monsieur ? J'ai un fléau dans mon... Quelle difficulté ? 16. Et tu lui fais mal quand même. Eh oui ! C'est à votre amie. Et elle va pas se poser de questions. Elle va balancer la foudre en face d'elle. Elle va toucher ami et ennemi. Elle en a rien à faire. Donc 20 pour toucher. Alors 13, elle touche personne. Ah, c'est une quiche. Même pas ses amis, de toute façon. Je crois qu'elle a pris un méchant coup de hache, ça l'a pas aidé en même temps. Effectivement. Elle a peut-être eu mal. Avec un petit bout de bras. Il y a eu un peu une ouverture là, dans la boîte crânienne. Ah, mais. Pff. J'aurais pas dû mettre musique de boss, j'aurais dû mettre musique de... De prairie. PNJ nul. Un point de vie, tu prêtes, Ileb. De combat de Pokémon. Pokémon. Urmag, enfin. Oh. Urmag rejoint le club. Non, je vais pas le faire attaquer, Ileb, quand même. Frappe, il lève 11 points de dégâts. Bon. Regarde, il a des tapis là, il se prend les pieds dedans. 1 des 10 plus 6 en dégâts. Bon. Oui, il s'est pris le cadavre qui... Il était en train de rejoindre. Bah attends, j'ai oublié ma table d'échec critique. Je l'avais oublié. Il y a la tortue invisible encore qui va faire de cette sienne. Saloperie de tortue. Table d'échec critique. Ah, on va lancer un des 20. Touchez, enfin vous, hein, pas l'ennemi, vous vous infligez bêtement 3 points de dégâts. Ça va. Ça aurait pu être sympas sur cette table d'échecs critiques. Bah, ça dépend à quel jeu, tu sais, en fait. Ouais, c'est vrai. Tu te fais 3 points de dégâts là, oui. Il y a d'autres jeux, 3 points de dégâts, t'es à 1000 life. Urmag sort son épée à deux mains, mais il l'a pris par la lame. Bon, bref, il se coupe les mains. Svein. Moi, je pense que pour le bruit, de toute façon, c'est un peu râpé. Hein. Du coup, je vais faire mon attaque sonore en face de moi, toucher les deux en face. Ok. Je mets difficulté combien, du coup 17. Quand même, mais elle est plus forte en fait, celle qu'on n'a jamais vue. Ouais, ça a l'air d'être. En fait, l'autre, c'est l'apprenti, je pense. Mince.
C'est celle qu'on envoyait faire les sales boulots, mais celle qui restait ici, elle devait être forte. Oh, mais merde! Disons que celle-là, apparemment, elle peut tuer une barbare en un coup, hein! Oui. Bon, du coup, je rate. Je vois. Alors, donc... Vous voyez que... depuis que vous avez tué un des triplés, les deux autres ont l'air un peu plus combatifs. Ouais. Ouais, mais enfin, ils ont parler, un bonus. Toi. Ils ont un bonus, mais ils sont, ils t'aurais, sont moins t'aurais dû lancer à la le dé avant de dire ça. T'aurais... C'est juste pour dire qu'ils ont un bonus. Taras, c'est à toi. Ben, je vais me lever. Et en me levant, ben, je vais tenter d'en finir avec l'apprenti sorcière. Non, on la tue pas. Si ça se trouve, elle va nous dire où il est enfermé. Ouais, ouais, ben, bien sûr. Tu crois que Tara va s'arrêter. On verra après. Cette fois, elle n'aura pas eu le temps de s'enfuir. On l'a eu. Tu remarqueras que je suis la seule personne dans ta zone de silence en plus. Oui, tout à fait. Ouais. Elle ne sert vraiment à rien. Personne ne l'entend crier, t'entends. Ouais, si je fais mon cri de guerre, on m'entend pas, quoi. Ok, alors. C'est là que ça va être la merde. C'est que l'ensorceleuse incante, pardon, encore une fois, et... Un clone. Tara. Hop, j'enlève lié à l'acteur, parce que sinon, voilà... Un clone de Tara apparaît. Il est un peu... Il n'est pas vraiment physique. Mais... Néanmoins, il se jette sur son double. Il charge même son double. Attends, faut que j'apprenne tes mouvements. Pardon. Comment ça marche? Attends. T'as 4 mètres? Regardez où elle apparaît, déjà. Elle apparaît là. Non, elle apparaît là, à côté de sa copine. C'est pas suffisant. Faut combien? Au moins 5 mètres. Ah, t'as de la chance. C'est ce que j'allais dire. Et elle va à 5 mètres. Ok. Eh ben, ce qu'il va faire, c'est qu'il va... C'est qu'elle va... Pardon. Charger quelqu'un à 5 mètres. Non. J'ai Urmag. Non, non. Elle va hurler. Cridral. Oh là là, putain. Non. Vous êtes tous moins deux. Non, puisque... Berserker. Voilà. Ah, Berserker, c'est... Elle peut faire que ça. C'est un peu facile à toucher, au moins. Mais Tara, tu comprends que... En tout cas, il va pas falloir que... Il va falloir faire attention. Shuna. Bon. Est-ce que je peux passer maintenant en essayant de me faufiler, quand même? Pareil que t'auras la moitié de ton déplacement. Ouais, en sachant que je peux faire 40 mètres, je suis large. Je pense. Je sais pas. Après, que t'auras que la moitié de ton déplacement, c'est pas mon problème, combien t'as de mètres, je te dis juste que ce que t'auras. Ok. Je vais aller jusqu'à la fille avec les cheveux bleus et je vais lui mettre une mandale pour voir si ça coupe le sort ou pas. Ça va mettre une méga mandale. Si je la plaque. Bon, attends, je vais la taper. C'est quoi la difficulté pour elle pour la toucher? 17, je crois. 17. C'est bien. Voilà, du coup, c'est avec les pieds. Je vais pas vous montrer mes pieds. Apparemment, tu lui as bien fait mal. Hein. Ileb. Ah bah écoute, je continue avec le monsieur dame devant moi. Prends ça, malotru! Raté! Eh bien, le malotru. Je vais essayer de te faire un point de dégâts. Même pas! Urmag! Est-ce qu'il va faire quelque chose, Urmag? Il est rentable, hein? C'est... J'avoue, tout ce qu'il bouffe et ce qu'il fait derrière. Oh. Ah là, quand même! Pas ce que j'allais dire, il était vachement plus fort quand il était contre nous, quoi. Urmag termine
Un des triplés. Sven. C'est bon, je touche pas. Je lance encore une attaque sonore devant moi. Du coup, alors attaque sonore. Cette fois-ci, j'y crois. Oui. Tu touches tout le monde, effectivement. Après, c'est pas les dégâts du siècle non plus. Ça suffit pour tuer la meuf, ça se trouve. La fille aux cheveux bleus, tu la touchais pas? Si. Attends, je refais le... Voilà. Ok. Ah, attends. Ah. Ça, c'est pour la tienne, on est d'accord. Ok. Donc, effectivement, donc lui, il perd... La Faustara. Ah oui, 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 elle est en dessous. Hein. Ah, c'est pas vraiment la vraie Tara, alors. Ouais, elle a que 14. Enfin... Elle a... Oui, oui, non, mais c'est pas ça, c'est... Non, c'est les PV, il a vu avec 7 points les PV qu'elle a perdu. Ce 7 points, ah, ça oui. Fait pas ça, toi. Non. Par contre, la fille aux cheveux bleus, bien qu'elle avait l'air souffrante et à moitié morte, ne bronche pas. Elle nous embête. Hein. Oui, clairement. Hop, pour le sport. Essayez, mais ça ne marche pas. Tara. Eh ben, je vais me précipiter. Je peux pas charger non plus, mais... Alors, bats-toi contre toi-même, ça serait tellement beau. Ah non, non, moi je frappe la femme aux cheveux bleus. Je te rappelle que tu es une femme aux cheveux bleus. Oui. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Aux yeux bleus. Parce que c'est la femme aux cheveux bleus, c'est moi. Mais je me dis que quand j'aurai tué la sorcière, je me dis que le clone va disparaître. Et je connais mes capacités et j'ai pas envie qu'elle me... Ouais. Raté. Ah. Raté. Toi, tu te serais touché. La fausse Tara te voit arriver. Alors, comment ça marche? Tara contre Tara, alors... Tu as plus de pour me toucher. Et tu as un D6 de dommages supplémentaires. Mais ta hache à deux mains berserk n'est pas là. Du coup, je la mets. Combat. Délicatesse berserk. Donc, tu es à 17, toi. Ça aurait pu être pire. Ah mais non, il y a un problème. Tara, tu as perdu. Chier. De quoi? T'as combien de points de vie, normalement? 49? Ouais. Ça a bougé. Ouais, pourquoi je suis à 23? Ouais, ouais, parce que... J'ai essayé que ça ne le fasse pas, mais... Et normalement, au max, je suis à 50. Max, t'es à 50. Ouais, j'étais à 49 parce que tout à l'heure j'ai dit 49 parce que il m'a fait un point de dégâts en début de combat. Ouais, t'avais pris quand j'ai dupliqué, ça t'a changé tes PV. Mais bon, ah, c'est bon, ouais, c'est remis. Mais j'avais perdu un point de dommage avec le jumeau là. Tu prends quand même une belle torgnole. Ah non, mais ça fait mal, j'en suis consciente. C'est. Elle est fière d'elle-même, Tara, quand elle prend cette torgnole. Ça lui fait plaisir. Elle, qu'est-ce qu'elle peut encore faire? J'aime bien, elle a plein de trucs, elle. C'est pas des petits trucs, en plus, pour l'instant, quand même, globalement. Ça a l'air des Il a failli me mettre à zéro point de vie, à ma copier. Décidément, elle est tombée amoureuse. Disons que t'as l'air un peu la plus dangereuse, quoi. Ah bah sympa. Les nous. C'est parce que j'ai tué sa copine. Ouais. Ok. Elle boit une potion. Ah ça. J'arrive. Et elle s'envole. Elle s'envole, comment ça? Elle lévite maintenant. Lévite. Elle est un peu plus haute que le sol. C'est con ça, elle s'est trompée de potion. Vous comprenez qu'elle essaye de se barrer, mais qu'elle est un peu encerclée.
Parce que là, il n'y a pas de possibilité d'attaque d'opportunité. Parce que si elle décolle, ouais. Moi, qu'à part à droite, à gauche ou en haut, tu fracasses. Hein. Ouais, pour l'instant, là, est-ce que juste s'élever déclenche une attaque d'opportunité? Bah, ça dépend. Si elle essaye de se barrer, oui. Non, pour l'instant, elle est juste... En gros, si elle essaye d'être hors de portée, oui. Si elle... Non, pour l'instant, elle n'est pas hors de portée. Elle sera plus difficile à toucher, mais elle n'est pas hors de portée. Lui est mort. Shuna. Quand tu dis qu'elle lévite au-dessus du sol, c'est elle est à 2 mètres ou elle est à 50 cm? Elle est au-dessus de ta tête. Ah oui, d'accord. Ce que je me dis, est-ce que je tente de la choper? Tu bah, coup de pied bouche, sauter, machine arrière, tout. Tu mets un coup de pied à Street Fighter. Hein. Tu l'attrapes par les c'est pieds. Bon. Je vous lâcherai pas. Tu prends son talon, sa chaussure. Oh, ah, malus. C'est possible de la choper. C'est juste un malus de... Frapper quoi? Le sol, tu vois, genre, de la choper et de la faire descendre. Tu vois, tu pas. Peux, oui. Ça sera un jet de force. Bon, allez, je tente. Pour le beau geste. Combien de difficultés? Voilà, ça va être contre sa CA, du coup, 17. Bon, bah non. Ileb, tu es entouré de cadavres et d'un orc. Ouais, ça pue par ici. J'avance, je me dirige vers ce garçon-là pour ouais. Lui donner un coup de masse d'armes ou tenter de lui en mettre une. Vas-y. Toujours 16? Ouais. Ouais, ils avaient la même fiche de perso. Ils sont pas embêtés. Bim! Oula, c'est très violent. Effectivement. C'est violent. C'en est fini des triplés. Et puis, Fifi, Pixie, enfin bref, Loulou, au dodo. Urmag! Urmag, il va venir avec vous. Il fait 2 mètres, attends, il va pouvoir la choper. Avec sa lance. Il a une lance maintenant. Ouais, il a toujours une lance. Il a une épée à deux mains. Ouais, mais il a une lance aussi. Et le mec, il a plus et une dague de toucher. Et il arrive à louper. Bah, il a fait 2, quoi. Il a fait 2. Zayn. Moi, je suis en mode, j'ai plus de couteau. Et là, je touche tout le monde si je fais une attaque. Ah là, si tu chantes. Ah là. Ah, vas-y. Par contre, je vais essayer de la faire danser, cette dame. Ah, ça, c'est une idée en l'air. Elle va danser dans les airs. Je vais faire une attaque magique, du coup. J'ai pas de malus, ou j'ai un malus, du coup. Non, pas pour une attaque magique. Ouais. La dernière fois, ça n'a pas trop bien marché, les attaques magiques. Bon, elle dansera pas. C'est pas mon combat. C'est pas ma guerre, colonel. Tara la vraie. Attends, j'ai perdu ma feuille. Bon, avec ta hache, t'as 2 mètres en plus. Moi, j'ai plus les trucs. Hein. C'est quand même 17. Hein. Pour ça, le moins 4 aurait été bien, mais... C'est pas vrai. J'ai plus rien. Bah, je rate. Ok. Eh bien, la fausse Tara va continuer. Bah ouais. Mais d'autres. Le combat était parti sur les chapeaux de roue et là, ça stagne un peu. Ah ouais. Putain, la misère. Ça lévite même. Par contre, la vraie, la fausse, ça touche dur. Hein. La fausse, elle touche. Et ça fait mal. Surtout qu'elle incante à nouveau. Du haut de son perchoir. Oh, une deuxième Shuna. Oh. Oh merde. Je voulais pas faire une deuxième moi. Bah, c'est moi qui l'ai tapé le plus fort pour l'instant. Bizarrement, elle choisit ses... Ouais, bah en même temps, un deuxième Sven, faut le toucher aussi. Hein, parce que... Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est à 20. Alors toi, tu as 25 de base. Ah bah, je vais le laisser comme ça. La deuxième Shuna, elle va peut-être mourir dans le combat. Ça serait cool. Et la deuxième Shuna va rentrer dans le combat, mais elle peut attaquer tout de suite. Elle s'attaque à la vraie Shuna. Ah, tiens. Face à moi-même. Tu la vois ? Préparer ton attaque spéciale ! Non, pas l'attaque du corps !
Je connais cette attaque. Et elle fait si mal, Shuna. Eh non, non, perds pas tes points de vie, toi. On meurt toutes les deux. Voilà, comme ça, c'est réglé. Voilà. Donc lui, il est mort. Shuna, c'est à toi. Je frappe celle qui l'évite, si je peux, avec une acrobatie, un saut. 19. Le coup de l'espoir. Bon. Il aime. Si je lance un sort de soin de groupe, ça va pas soigner les clones. Les clones. C'est très bon. Les clones n'ont pas pris de baffe pour l'instant, donc ils sont full. Le truc de celui de Shuna, il a pas l'air full, mais c'est juste que j'ai pas modifié. Comme Shuna était déjà presque à la moitié. Le mien, il s'est pris. Hein. Il s'est pris une attaque sonore. Ah oui, c'est vrai. Ouais, mais non, mais de toute façon, non, ça allait. Je vais lancer un petit sort de soin, là, parce que Shuna a pas l'air bien. Ok. Crache du sang. Et Tara non plus. Tara non plus. Bon, ça sera un sort de soin de groupe. Hein. On fait ce qu'on peut. Effet, ce sera toujours plus que 1. Bon, c'est plutôt pas mal. Oh, tiens, je remets tout le temps. Chazoum. Chazoum. Yormag, même s'il comprend pas trop, il trouve qu'il y a une Tara qui a l'air plus méchante. Donc vous récupérez tous 13 points de vie. Hein. Ouh, oh, dommage. Oh, Yormag. Oh, le Yormag. Oh, c'est monstrueux. Allez, c'est cool, pour un dégât critique, c'est pas énorme au point de dégâts. Mais... Il la prend par le pied et il fait comme Hulk avec Loki, tu sais. Effectivement. Et là, la Shuna. La Tara disparaît. Par contre, c'est re autour de la fausse Shuna. Qui continue de s'acharner sur toi, ma pauvre Shuna. Bah oui. Hein. Shuna tape Shuna. Trop de Shuna dans ses phrases. Allez, rate. Cette fois, voilà. Loupe. Ça, c'est la vraie Shuna, ça. Sven. Moi, je vais quand même essayer de la faire danser, cette dame. C'est avec ça que je peux faire. Oui. Ah. Ok, elle danse. Tara. Elle vole et elle danse en même temps. Ça fait quoi pour la toucher maintenant? 15. Heureusement que c'est diminué, hein, parce qu'en train de... Et parfait. Et poil. J'en serais encore là. Ok. Pourquoi Shuna lance des D6? Non, c'est moi qui lance un D6. Parce que sur un 5 et 6, elle ignore les dégâts. Ah. Bah, c'est pour ça qu'elle a pas pris de dégâts tout à l'heure. Mais... Là, elle a fait que 1. Tu la frappes et elle retombe. Mais le clone ne disparaît pas pour autant. Ah, j'allais poser la question. Shuna, c'est à toi. Ah, je vais devoir me taper. Ah, Yormag a bien fait, alors. Oui, ça aurait pu être très dangereux. Ah, j'ai fait pareil. Je fais pas du tout quand, on verra. Combat de tout quand. Je vois face à face, tu sais, toutes les deux. Merde, attends, j'ai combien en défense déjà? En tout cas, si vous aimez pas Shuna, c'est l'occasion de faire semblant de se tromper. Oh mince alors! Je vais frapper dans son dos! Oh, c'est pas la bonne. C'est ta classe d'armure à toi, ouais. Oh là là. Oh, ton coup est... Psychologiquement, c'est dur de te frapper toi-même. Il aime. Je le trouve tellement exceptionnel. Ah bah, je vais me faire un plaisir de frapper Shuna. Quelle difficulté dois-je faire, Shuna? Tu m'as pas rendu. 16. Raté. Eh ouais. Eh, elle est pas si facile que ça à tomber, Shuna. Hein. Viens là, la tigresse. Ouais. Je le prends limite mal, la situation, tu sais. Ouais. Vous me détestez tant que ça. Yormag, lui, ne se pose pas de questions. Stella, vous voyez qu'elle commence à être de plus en plus éthérée, mais elle va quand même essayer de se battre une dernière fois. Et elle emportera Shuna avec elle.
Sven. Je suis nassé. Je t'ai fait tuer par toi-même. Ouais, non, mais ça faisait longtemps. Bon allez, moi, je... C'est l'inception du toucan. Ouais. Toujours rêvé de voir Shulna danser, donc... Elle ne le saura pas en plus maintenant qu'elle est morte. Combien du coup de CA, pardon? Je sais plus. 16. Bah non. Drapache, on a dansé malheureusement. On ne danse pas, oui. On peut se déplacer de combien au maximum? C'est quoi? 20? 20 mètres? 20, oui. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que... Si tu me dis que tu parles de l'autre côté pour revenir pour charger... Carrément. C'est très limite. C'est très limite quand je même. Je vais par là. Moi, et... Tu peux pas élan, Tu peux pas, c'est 5 mètres en ligne droite. Bah alors. Donc si tu te déplaces une fois pour te reculer... Et faut que je fasse 5 mètres en ligne droite. Ouais mais attends, c'est pas... Bah c'est en ligne c'est droite. C'est une action limitée, charge. Ah. Ouais, donc tu peux pas te déplacer. C'est une action limitée. Eh oui. Non, je peux pas faire autre chose. Donc C'est un peu trop un twist des règles. Je me disais, je recule, et hop. J'ai trouvé le hack. Je me recule un petit peu et je charge tout le monde. Bon bah... Bon c'est pas comme si t'allais avoir du mal à lui la fracasser. Bah t'sais. SS quand même. Tu dis ça, j'ai pas touché à plus de 15 du coup. T'as eu peur de te mettre en berserk? Moi j'ai pas eu peur, t'as vu? Bah c'est surtout que si je... C'est pas que j'ai peur de me mettre en berserk, c'est que si je me... c'est une action limitée aussi. Oui, oui, oui. Non mais je parle depuis le début là. T'as voulu tout de suite foncer sur cette pauvre Anita qui vous avait rien fait. Un peu quand même, vous avez un peu électrocuté la dernière fois qu'elle nous a vu. Les deux dernières fois qu'elle nous a vu. Ah bah non. Bah non, je t'ai dit, de toute façon, j'ai pas fait plus de 15. Ouais, esquive du singe. Ileb, on compte sur toi, hein. Parce que moi j'ai fait style, elle emporte Shulna dans la mort, mais si personne la tue, elle va continuer. On va voir qui est-ce qui me déteste le plus. Urmag, il va s'acharner sur ton cadavre. Sale copie. Ah. Deux. Je lui tape sur le pied. Pour moi, tu la touches. Il lui fait un gros bleu. Moi, je peux pas tuer une amie. Ah, par contre, s'il se gêne pas. Alors que Urmag. Urmag, lui, il les tue tous. Il y a pas de problème avec ça. Urmag, il s'est pas posé de questions. C'est la fin de la fauche Shulna. Les deux Shulna sont mortes. Voilà. Et la fin de ce combat. Ça a été rude. On va enlever les cadavres, hein, parce que sinon, on voit plus rien. Bah, moi aussi, du coup. Je t'ai enlevé ? Oui. On enlève les cadavres. Aussi, et bon, bah, y a plus de cadavres. Je ne suis plus là. Je suis morte. La campagne est terminée pour moi. C'est fini. Oh, c'est trop drôle. Donc, vous êtes. Vous vous rendez compte, vous êtes dans un petit salon, apparemment, vous êtes arrivé là où habitaient toutes ces personnes. Voilà. Ils partageaient un petit salon et il y a des portes partout qui amènent apparemment à leur chambre. Que faites-vous? Moi, je veux fouiller la magicienne blonde. C'est sa vie personnelle, attention. Hein. Moi, je me soigne. Ouais. Ouais, ce que je me disais, est-ce que quelqu'un soigne Shulna? C'est pas grave. J'ai bu une potion de soin modéré, mais... Faire un soin modéré à Shulna. Avant, je m'assure que ça soit bien elle, quand même. Ouais, ouais, c'est elle. C'est elle. les doubles sont... comment ? Ils se sont évaporés. Ça n'a pas laissé de cadavre, ils se sont évaporés quand vous les avez amenés à 0 PV. Une potion de... Soit non, je vais te faire un petit soin, Tara. Normalement, quand t'appuies dessus, ça marche pas? Bah, je l'ai mangé et... Non. Non, je vais te faire un petit soin. Tu veux un petit soin? Ah, bah, j'ai bu la potion. Ah, ok.
C'est 2d8 plus niveau, mais... Il n'y a pas de niveau, non? 2d8. Bah si, c'est ton niveau. Je comprends pas. Pourquoi ça marche pas? Je sais pas, ça m'a enlevé la petite truc de poulet. C'est peut-être pas plus niveau, en fait. C'est juste 2d8. C'est juste 2d8, les potions. Plus niveau, ouais. C'est quand tu lances un sort. Quoi, y a on reste là une dizaine de minutes. Ça me fait que 4 points de vie. Ouais, misère. C'était une potion de merde, en fait. J'avais trop diluée. Elle était diluée à l'eau. Elle était frelatée. C'est pour ça que ça n'a pas marché, parce que plus niveau, ça... Bon, je vais lancer... Ça foutait en l'air les macros. Je vais boire une potion de... Parce que là, ça me fait que 4. Donc, je vais reboire une potion non modérée. Voilà, ça fait 6. Puis... On reste là une dizaine de minutes ou pas? Anita, un anneau de protection plus 2. Ils ont tous des anneaux de protection. Ouais. Je vais le donner à Tara. T'imagines, j'aurais pris d'autres bagues. Le mec, il a 10 doigts, 10 anneaux. Tara, tu veux un anneau de protection plus 2? Ah bah oui, comme ça, quand je suis en berserker, je descends à moins bas. Je me dis qu'elle en a plus besoin que moi, ça va. Je suis en train de boire toutes mes potions, mais je suis en train de compter. 14, voilà. Tu as maintenant deux poissons. Ça fait cher. Hein. Deux potions modérées plus une potion simple, tout ça pour 14 points de vie. je vous dis. Alors que moi, j'en ai récupéré 19 avec Ineb. Bah ouais. Mais je sais bien, mais je me dis qu'on va pas se reposer tout de suite. Donc. Qu'est-ce que vous faites sinon, à part ça? Moi, je fouille Madame Yeux Bleus, si personne ne l'a fait. Madame Yeux Bleus. Moi, je voulais juste savoir si on reste 10 minutes ici ou pas. Oui. On a le temps de fouiller tout le monde. On va fouiller un peu. Hein. On va fouiller un peu le secteur. On va demander... Urmag va surveiller si personne n'arrive en couloir. Alors, elle a... des dagues, une fronde, un magnifique médaillon d'argent décoré d'un rubis. Elle n'a plus sa potion de lévitation. Dommage. Et tu vas me faire un jet d'intelligence, mon cher Svein. Ok. Juste, est-ce que c'est dans le... Ah non, c'est dans le cadre de mon souvenir. C'est pas historique. Non, non. C'est pas occulte non plus. C'est identifier un objet magique. Ok, donc oui. Tout te dire. Mais tu dois faire que 10. Je me doutais. 19, voilà. 20, c'est bon. C'est un collier de charisme qui ajoute 1 au charisme. Oh, trop bien. Je l'enfile, je le prends, je l'enfile instantanément. C'est Tara qui l'a dans les mains. Hein. Qu'est-ce que tu le prends avec... Est-ce que Tara te laisse... Il fait un plongeon, tu sais, la tête dans le... J'ai dit, Tara, je le veux. Je chanterai mieux avec ça. Je te laisse. Je suis pas très bijou. Puis je vais te donner un anneau avant, ça, c'est l'échange. T'es sûr sur ton anneau, là? L'anneau que je te donne? Non, mais c'est plus OMJ que je te demande. Ah. De quoi? Ouais, je me l'équipe et il me met que j'ai une CA de 21. Ah, mais tu pouvais l'équiper. Ah, c'est parce que je t'ai mis le bonus, j'avais pas eu, tu pouvais l'équiper, pardon. C'est bon. Ah oui, d'accord. C'est normal. T'avais mis un bonus directement. D'accord. Et pour le charisme, Sven, je te l'ai mis. Hein. Ok. Bon, de toute façon, pour l'instant, ça change rien. Mais... Un jour. Plus qu'un point. Ouais, c'est vrai. Non, tu, plus tu mets... un au mode. Plus 1 au mode. Je croyais que ça allait le... Je croyais que ça allait te le mettre, tu vois, mais non. Donc, faut que je mette plus 2 pour que ça te fasse plus 1. Voilà. Ah, du coup, c'est vachement, vachement bien. Voilà. T'as plus 5 en charisme, maintenant. J'enfile le truc et d'un coup, hop, je suis un peu plus beau. La barbe, elle se tond automatiquement et il a du gel dans les cheveux. J'ai des cheveux plus soyeux. J'ai une peau plus lisse. Alors, Ileb, tu es allé dans la chambre d'Anita. Oui.
Tu vois un grand lit à baldaquin, une grande armoire contenant quelques vêtements de femme, une commode avec des habits d'homme, une table et enfin deux fauteuils. Tu vois qu'il y a beaucoup de poussière ici, donc elle devait pas y passer beaucoup de temps. Mais tu ne trouves rien de précieux. La marque. Peut-être fouiller les triplés aussi, non ? Les triplés, ils ont tous la même chose. Arrêtez d'ouvrir les portes. Ils ont rien. Une armure de cuir, une dague et une épée courte. Qui servent à rien. Bah oui. Tara, tu es allée dans les appartements de Jérisset Beauzieux. Oui, tout à fait. Il est évident que cette pièce est occupée par une femme de goût. Tout ici va dans ce sens, depuis les tentures qui ornent les murs jusqu'à la délicate odeur de parfum qui y plane, mélangée à l'odeur du sang. Non. Alors je lis au drap de soie rouge, un gros coffre fermé à clé, une table de maquillage en désordre, une petite commode contenant des vêtements de femme. Et... Tu trouves rien d'autre. Hein. Il n'y avait pas la clé sur son corps. La clé du coffre ? Oui. Ils le disent pas, donc... Non. Non, peut-être qu'elle le mettait quelque part d'autre. D'accord. Bah... Vous les avez fouillés, les filles, là ? Ouais, ils ont rien. Ouais. Bah, une dague, une épée, une armure. Tu forces le coffre. Hein. Moi, j'ai de force. Je peux le crocheter sinon si tu veux. Ah non, tu peux plus. Oh non, je veux pas. Tu forces le coffre et. Pas naturel. Tu vas l'exploser comme une bourrine, mais non, en fait, tu découpes soigneusement le cadenas. À l'intérieur, tu vas trouver 24 pièces d'or et 20 perles. Les et perles. 20 perles. Ouais. Tu peux te rajouter 20 perles et entre parenthèses, tu marques qu'elles valent 10 pièces d'or chacun. Oui, quand chacune. Même. Quand même. C'est énorme. Ouais, tu dis ça et après on va acheter des potions de soins qui coûtent les yeux de la tête et qui nous rendent 3 points de vie. Alors, c'est pas... Ça va être une perle, une potion en gros. Et il y a aussi un livre de magie. Oh. Un livre de magie. Ouais. Il y a un bouquin. Je balance derrière moi. J'arrive, j'attrape le bouquin. Ça c'est pas le livre de magie. Pour ajouter quelque chose, hein. Sérieux. Ah oui, le livre de magie, c'est bizarre. C'est marqué ça et il y a rien de. Bah c'est le grimoire du sorcier quoi. Mais vu que nous, de toute façon, on n'a pas de mage, je vois pas. Bah ouais, je t'aurais bien dit, tu peux peut-être apprendre ses sorts, mais je pense pas. Hein. Bah ça va faire un peu... Bah, un barbare magicien, ça va commencer à faire... Non mais, pas toi, Svein. Ouais, mais ça va faire un peu trop, après ça va faire... multiclassage. Ça. Ouais, je commence à penser ce que ça peut donner en multiclassage à un barbare qui lance des boules de feu. C'est une bonne idée. Pourquoi pas, hein. Moi je peux. T'as le livre de magie. On peut dire que. Jette un dé. Un dé quoi ? Un dé 20. S'en fiche, c'est nous qui faisons les règles, non ? Donc tu jettes un dé 20. Sur un 15, tu peux apprendre. 19. Tu peux apprendre. Je vais te filer sa voix. Tu auras le choix avec une nouvelle voix, la voix des illusions. Celle qui peut faire des taras dupliqués, tout ça. En vrai, ça va bien, ça me va bien, la voix des illusions en plus. Exactement. Ok. Ben top. Bon, je te laisse en rajouter les 20 perles parce que. Ouais, Tara, tu peux essayer d'apprendre, mais toi, c'est 25 que tu dois faire. Alors, c'est pas victoire parce que normalement, sur un 20 naturel, c'est forcément une réussite. Oui, je sais, oui. Donc, tu vois, sur un malentendu... Hein, Tara qui fait des doubles d'elle-même. Une armée de Tara, tu sais. Tiens, mais je te mets une bille. Ça fait Naruto, un peu. Je te mets une bille et on va appeler ça une perle. Entre parenthèses, 10 PO. Du coup, tu cries Jutsu.
Hop, voilà, tu as 20 perles qui valent 10 PO. Ils sont dans munitions. Parce que, bah, pourquoi pas, après tout. Tu peux les balancer avec, sa fronde. C'est un peu des munitions de luxe. Effectivement. Ouais. Des balles en or. Et la voix. Voix des illusions. Frère Ilem, vous avez trouvé quelque chose derrière le comptoir ? Beaucoup de vin. Voilà, tu as maintenant la voix des illusions. Absolument pas. Merci. Tu devras l'apprendre comme les autres. Hein. Oui, bien sûr. Si tu veux apprendre ce qu'il y a dedans. C'est quoi ce bruit étrange de déglutition que j'entends derrière ce comptoir ? Toutes les bouteilles sont vides. Effectivement, frère Ilem, lui, n'est allé fouiller qu'un seul endroit, le bar. Il y a des boissons de toutes sortes. Tu as de quoi te régaler. J'en prends une ou deux, hein, histoire d'avoir un petit souvenir, quoi, pour les vacances. Toi, je te les note même pas, parce que t'es déjà une cave à vin, toi, tout seul, donc... Y a pas de souci, tu te prends ce que tu veux. Y a peut-être du millésimé, hein. Bon, allez, faut pas traîner, là. Est-ce que frère Ilem s'embête à savoir si c'est du bon vin ou pas, ça ? Ah, je le ressens rapidement. Il boit n'importe quel vin, mais il apprécie quand c'est du bon, quand même. Bah mais oui, il apprécie quand c'est du bon. Mais faute de griffes, quand il y a que du mauvais. On a juste pas fouillé la chambre des triplés aussi. J'imagine qu'il y a rien, mais... La chambre des triplés ? Bon. Allez-y. Quelqu'un fouille la chambre des triplés ? Jetons un œil. Allez, moi j'y vais. Y... Alors, dans la chambre des triplés, vous trouvez l'arme légendaire. Non, que dalle. Deli, un coffre chacun qui sont ouverts et à l'intérieur des vêtements de rechange. Et une potion de clonage pour être à trois. C'était donc ça. Je m'en doutais, mais bon. En même temps, ouais, je veux pas dire. Oui, on est violent. Mes compagnons, faut avouer qu'on nous sommes violents. Mais on est rentrés. Ils nous ont demandé « Qu'est-ce que vous faites là ?» On a à peine eu le temps de répondre que... Ils nous attaquaient, ils nous clonaient et lançaient des éclairs. Bon, enfin, on aurait pu partir sans combattre, je pense. Ouais, on serait quand même passé à côté de l'anneau, de l'amulette, du livre. Bon, le principal, c'est que c'est fait. Ne traînons pas là. Du vin derrière le comptoir. Chaque minute qui passe est une minute où on risque de se faire prendre. Non, mais... Non, frère Ilem, vous savez, tout ce temple, c'est un peu une grosse hydre. Il faut couper toutes les têtes. On en a coupé déjà deux. Oui, c'est pas faux. Un temple de mauvaises personnes. Il va falloir couper d'autres têtes. Je dis ça en mettant des délicatesses sur mon épaule. Vous venez parce que j'ai peur tout seul. Il fait noir. On met tout le monde dans son lit et hop, on y va. Eh, j'y pense. La potion de... De géant. Non. De brumeuse de... Ouais. Ça permet de passer à travers une porte. Bah, on devient de la brume ou on devient éthéré? Non, je pense que ça fait juste de la brume. Je pense pas que ce soit ton personnage qui se transforme. Si? Bah, en tout cas, il y a les mêmes potions dans Baldur et tu te transformes en brume. Ah, ok. Ouais, mais est-ce qu'on est... C'est dangereux. Si l'autre, il fait un sort de vent derrière... C'est elle, quoi? Forme gazeuse? Ouais. Ouais. Bah, appuie dessus. Double clic. Normalement, tu peux pas être... Bah si, carrément. La porte, il y a la réponse. Raté la... On va ouvrir par l'autre côté. Bah allez. Donc vous allez où là? Vous repartez à la porte, c'est ça? Ouais, du côté de la porte qui était... Ah mais il y en a qu'un qui pourra passer, hein. Oui, mais... Attends, après on va ouvrir par l'autre côté. Il n'y a pas de clé dessus? Bah non, il n'y a pas de clé, puisqu'il y a un espèce d'objet coincé dedans qui s'appelle un crochet. De toute façon, il sera en forme gazeuse. S'il passe et qu'il voit que de toute façon, il n'y a rien de l'autre côté, il revient.
Et sinon, bah, on avisera. Ouais, ouais, la potion de forme gazeuse. Et... Ok. Eh ben, tu rentres. Seulement toi. Gazeuse. Et je regarde s'il y a un petit verrou, un loquet, si je peux ouvrir la porte. Allez, bah, il y a un verrou, au moins. La porte est ouverte. Et vu que je suis toujours en forme gazeuse, parce que ça dure comment ? Ça dure un peu. En forme gazeuse, t'arrives à déverrouiller la porte. C'est bien. Ah, merci, frère Ileb. Normalement, non. Après, tu peux visiter ah les pièces. Bah, alors, j'attends d'être solide pour déverrouiller la porte. Ouais, tu es solide, mais de toute façon... Regarde les autres portes, au pire, en attendant. Bah, c'était un peu mon idée, ouais. Dans ces cas-là, j'aurais regardé un peu les autres portes avant. Ouais, si tu veux, après, là, c'est une chambre. C'est surtout repérer s'il y a quelqu'un. Il n'y a personne ici. Il n'y a personne là. Il y a quoi ? T'as fait un drôle de truc. T'as fait... Elle a vu plein de coffres. Je crois que c'est le... c'est des coffres ou des tonneaux ? Ah, des tonneaux, c'est des super coffres. Ah mince, moi j'ai cru que c'était des tonneaux. J'ai dit... C'est le paradis. Effectivement, elle est verrouillée, pardon. Bah, tu peux les ouvrir. Il y a personne. Il y a personne. Derrière, il y a une salle des coffres. Et c'est quoi ce gros miroir ? Alors, là où vous êtes, c'est le salon qui se trouve à l'intérieur, est meublé, avec décoré, avec beaucoup de goût. Une grande table de réception entourée de 6 larges fauteuils se trouve en son centre. De nombreuses aquarelles égayent la pièce. Le mur est, quant à lui, est recouvert par un grand miroir d'argent. Un coin bar est aménagé au sud. On est d'accord qu'ils ont mis des bars dans toutes les pièces. Ouais, peut-être qu'ils ont la même passion que frère Ileb. Vous dites que vu le luxe de cette pièce, ça doit être la pièce du chef. Il y a une salle des coffres au sud. Et au nord, il y a sa chambre. La salle des coffres n'a pas de loquet de l'autre côté, hein, quand tu es passé en forme de gazeuse. Et la chambre est ouverte ? La chambre est ouverte. Je crains que dans la salle des coffres, il y ait aussi beaucoup de fausses pièces. Mais... Cette chambre est délicatement parfumée d'encens. Le lit se trouve à l'extrême est de la pièce, très confortable mais sans fioritures. Un mannequin d'entraînement se trouve dans le coin nord-ouest. Un coffre et une armoire se trouvent non loin. Ils ne sont pas fermés et contiennent des vêtements qui ressemblent beaucoup à ceux d'Amarange. Oh, c'est lui le chef, en fait. Bah, t'es surpris. Comme c'est bizarre. Je m'en doutais un peu, mais... Oui, je suis encore plus déçu. Moi, je l'aimais bien, Marange. Ah ben, moi aussi, je l'aimais bien, mais... Faut avouer qu'on l'aimait bien parce qu'il nous avait un peu embrumé l'esprit. Ceux qui fouillent me font un petit test de sagesse. Oh ben, on fouille tout le temps. Ouais, malheureusement, je fouille aussi. Oh, ça aurait pu être pire. Où est-ce qu'on est là ? 4 et 5 ? 2, 4, 1, 5 et 1, 11. Ouais, on a décidé de faire... Ok, ouais, non, vous voyez rien de plus. Est-ce que c'est possible de crocheter la serrure de cette porte ? T'as décroché ? Celle qui est au... Ah, j'ai ouais, ma chemise, c'est... mais c'est mou. Si, j'ai décroché. J'en avais t'as acheté. T'as décroché ? Aussi. D'accord. Elle fait du tricot ? Elle a décroché ? Tu peux, mais c'est une porte, tu vois que c'est une porte blindée. Ah. Oui. C'est même extrêmement difficile. Oh, il faut trouver un Amarange. Il a la clé. C'est probable. Au cas où. Il y a des inscriptions autour du miroir, là, sur les trucs dorés, tout ça ? Non. C'est juste un très beau miroir. Après, on peut l'attendre caché dans son armoire, à Marange, et dès qu'il dort, quick. Dans son armoire, on va pas être un peu serré, parce que déjà, si on met frère Ileb dans l'armoire, il va plus rester beaucoup de place. Voyons. Tu peux quand même tenter le coup avec la porte, j'ai envie d'essayer. Bon, à mon avis, ouais, 25. Moi, je... Okay.
L'attendre, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée parce que il risque de trouver toutes ses sœurs là-bas mortes avec le saccage qu'on a fait. Vaut mieux pas traîner. La porte est fermée. Mais oui. Ouais, mais allons. Continuerons un peu notre progression de la même manière qu'on a commencé, de manière discrète et méticuleuse. Et sans aucune violence. Hein. Pas nous qui sommes violents, c'est eux qui nous attaquent. Allez, on va finir. Eh, vers quelle pièce on peut aller, oui, pour un cliffhanger? Ah, j'ai trouvé quelque chose! Là, vous arrivez dans une chambre qui apparemment n'a pas encore été attribuée. Il y a juste un sommier et un matelas moisi. Ah, moi, je pensais que c'était une geôle. Non. Il y a une porte. Ici, il y a une porte. Ah, ah. Eh ben, ça pue. Je devrais lire avant. Hein. Cette pièce est fermée à clé. Bon, ouais. Oh, bah, je peux tenter de l'accrocher, celle-là. Oui. J'ai toujours ma chemise. Mais... Vous sentez cette odeur, ça pue. La porte de cette pièce est fermée à clé. Dex crocheté, difficulté 20. Difficulté 20. Ils ont des bonnes serrures. T'as des outils de crochetage? Oui. Ça te fait un bonus. Du coup, dextérité. Ouais, ça fera que 18. Que 18. Que 18. Ah. C'est fermé. Est-ce qu'elle est blindée, celle-là? Non. Ah, mais ça va faire du bruit. Non. En vrai, on a vu, il n'y a personne dans l'étage. Il n'y a plus personne. Oh, juste un petit coup d'épaule. Ah, ça, je mets une zone de silence et c'est bon. Ah oui, une zone de silence. Bonne idée. Shuna, tu vas me faire un test de constitution, s'il te plaît. Une fois que tu as mis une zone de silence, je donne un gros coup d'épaule dedans. Je crois qu'il y a déjà des émotions de Shuna. Oh, parfait. Oh. Bah, pour quelqu'un qui a 5 points de vie, bravo. Pendant que tu étais en train de crocheter, tu as apparemment déclenché un mécanisme. Mais tu le vois à temps et tu évites deux fléchettes qui sifflaient dans ta direction. Bon. Bon. Bah, c'est bien, tu as déclenché le piège. Allez, maintenant, beaucoup d'épaules. T'es sûr? Il y a peut-être d'autres. Hein. J'aime bien les pièges ici. Allez Sven, fais-moi ta zone de silence. Je mets une zone de silence autour de la porte. Vas-y Tara. Difficulté. Y a pas marqué de difficulté pour... Difficulté pour forcer une porte avec ta force de brute, on va dire à 10, ça ira bien. Oh. 10 parce qu'on sait qu'il y a un vieux débarras derrière. C'est un truc de mais fou derrière. Tu fracasses la porte et l'odeur qui plane dans cette salle fait plutôt penser à une ménagerie. Le désordre y règne est incroyable. Il y a des vêtements, des restes de repas un peu partout. Le lit est en bataille et les meubles sont pour la plupart renversés. Ce désordre est le résultat d'une terrible colère de l'occupant, de l'ancien occupant de cette pièce, Sifmo. Comme il n'a pas survécu à votre rencontre, il n'est pas ici. C'est et c'est tout. Sifmo. C'est le nain. Le nain. Le nain. Sifmo, le nain psychopathe qui vivait ici et qu'apparemment il ne rangeait jamais sa chambre. Fouillons la chambre. On dirait une décharge. Vous fouillez la chambre, effectivement, c'est une décharge, des détritus, une odeur malsaine. Et vous ne trouvez rien d'intéressant. Et c'est sur cette révélation incroyable qu'on va s'arrêter pour ce soir.